sont où? Place des membres? Parfait. Alors, exprime 5 centièmes en fraction réduite. Il faut que vous fassiez 5 centièmes en fraction réduite, 5 centièmes en nombre décimal et 5 centièmes en pourcentage. Alors, go, on attend la réponse. OK, on y va. Vas-y. Réduite, c'est 1 vingtième. Parfait. 5 %, 0,0. Comme ça? Oui. OK, et puis ça, 5 centièmes, c'était comme ça ici? Hein? Si on divise par 5, on divise par 5, ouais. Ça me fait 1 vingtième. Est-ce que ça fait beaucoup de sens? Oui. On va aller regarder les réponses. Oui. Alors, regardez, 1 vingtième, 0 et 5 centièmes, et puis 5%, est-ce que c'est bon? Oui! Oui! Alors, bonne réponse! Yeah! Bonne nouvelle! Les démons, sont où nos démons? Merci! Parfait! Conjugue le verbe commencer au participe passé et mets-le au féminin pluriel. On vous écoute. Vous parlez? Ben oui, donnez-moi la réponse! Le verbe commencer, on participe passé, puis on va au féminin pluriel. Je vous écoute. C'est commencer avec E accent aigu, ES. Comment je. OK. E accent aigu, ES, comme ça? Oui. On va aller vérifier ça. Est-ce que c'est bon? Oui, bonne réponse. Bravo. Alors, les dragons bleus. Conjugue, ils sont les dragons bleus? OK. Conjugue le verbe avoir à l'indicatif futur proche. Allez-y. Le verbe avoir, c'est je suis, nous vous il. OK, go. OK, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un peut donner son opinion sur le futur proche, chérie? C'est pas ça, ça. Ça, c'est du passé, je crois. Ça, c'est du passé composé. Je veux savoir. Ou... Je veux savoir, tu vas avoir une parole. Alors, regardons les réponses. Je vais avoir. Tu vas avoir. Il va ça, avoir. Nous allons avoir. Vous allez avoir. Ils vont avoir. On se souvient que... Écoute. On se souvient que le futur proche, c'est le verbe « aller » conjugué à l'indicatif présent et le verbe « à l'infinitif présent », le verbe « demander ». OK, ben non, ça compte pas. Donc, mauvaise réponse. Oh, il n'y a pas de manque. On a été sauvés. La flamme du démon. Où sont les flammes du démon? Parfait. Complète avec un antonyme. Après la pluie, vient le beau temps. C'est un peu comme dire qu'après la tristesse, vient le ou la... On va aller voir ça. La joie. Bonne réponse! Moi, j'ai fait un... Il reste seulement un petit point! On est rendu à... Voyons, on efface... Sable de glace, où sont-ils? C'est vous? Combien de fois devons-nous nourrir nos truites par jour? Une fois, trois fois, quatre fois, quatre fois? Quatre fois. Quatre fois? On va aller voir ça. 17 fois. Bonne réponse! Alors, qu'est-ce qui se passe?